c'est quoi ton déguisement? Bah, c'est une citrouille. C'est à cause de mes cheveux, ils ont tous voulu que je fasse des citrouilles. Pourquoi t'as une cape noire? Bah, maman, elle a pas eu le temps de finir et derrière, il y a un trou. T'aurais dû venir me voir, j'aurais arrangé ça. La dernière fois, tu m'as envoyé chier. Claire, c'est vrai que t'as le cancer? N'importe quoi, d'où tu sors ça? Ben, je sais pas, c'est les gars à l'école. Tu les crois? Ils disent que tu perds tes cheveux. Je te l'aurais dit quand même. Bah vas-y, tire si tu me crois pas. Ça va combien de temps ton défilé? Je sais pas, il y a la chorale avant. Bah monte derrière, je vais réparer ton costume. T'es folle? Je passe en premier. Dans 10 minutes, on est là. Puis tu seras beaucoup plus beau. J'arrivais pas à dormir chez moi avec la musique. Vous étiez où? À Paris. À Paris? Pour la journée? J'ai ramené du travail. Une robe pour la croix. C'est pas vrai. Si. Je vais pouvoir te déclarer sur cette commande. Ça baissera un peu ton salaire à cause des charges. La garde est ton étole. C'était pour vous. Mais il me la rendra, t'inquiète pas. En attendant, voir son premier échantillon retenu par la croix, c'est pas à la portée de tout le monde. Tu le détestes, cet enfant? Non. Le jour, il se rentre. Il se cache. On voit à peine mon ventre. Puis quand je suis seule, il ressort. Il prend ses aises. Et mon ventre est énorme. C'est incroyable, non? Quand Ishran est né, j'ai commencé à écrire un journal pour lui. Moi aussi, j'ai passé des moments délicats. Je notais tout. Ça me soulageait. Je voulais lui donner à la naissance de son premier enfant. Je pensais qu'avant, il y aurait des choses qu'il ne pourrait pas comprendre. Tous les jours, je trouvais quelque chose de nouveau à écrire. Là, madame Ulliquin. Où veux-tu qu'elle soit? T'as changé quelque chose? Où ça? Je sais pas, tes cheveux? Ah non, pas du tout. Pourquoi t'es là? Pour la moto. T'avais dit que t'appellerais. Bonjour, Guillaume. Je suis venu chercher la moto. Elle est dehors. Guillaume, ce qui me rendrait service, surtout, c'est que vous m'aidiez à porter cette machine dans la chambre d'Ishran. Attendez, je vais vous aider. Je ne crois pas vous avoir demandé quoi que ce soit. Restez à votre place, Claire. Bouge pas, on va y arriver. Je
C'est mieux comme ça. Vous vous rendez compte, il faut qu'on ait tout fini pour demain. Vous y arriverez pas? Ah si, on travaillera toute la nuit s'il le faut, mais demain à 5 h, c'est à la poste. Je peux regarder? Bon, ben, je vais chercher la moto. Je vous accompagne. Lucille a été prise à Sciences Po. Tu viendras fêter ça avec nous? Je sais pas. On fêtera mon départ aussi. Ah bon? Tu pars combien de temps? Ben, au moins 3 ans. Tu viendras ou pas demain soir? Ah ouais, je viendrai. Venez avec Claire, ça me fera plaisir. Tiens toujours ta proposition? Quelle proposition? T'es pas sérieuse? Attends, non, mais pour qui tu me prends? Quand j'étais enceinte de 6 mois, je me souviens, j'avais des envies folles. Ben, pas moi.